je vois les étoiles. Dans tes yeux, je vois tout le ciel. Ils sont grands bleus, chaque fois que je tombe dans tes bras. Les oiseaux chantent une opéra. Je n'ai jamais quand tu t'occupes de mon cœur. Quand on rit, quand on l'entend, n'oublie-le. J'espère qu'on aura toujours ce bonheur. Notre amour tendre comme une fleur. Le monde est beau, oh, oh. Le monde est beau, oh, oh. Le monde est beau, oh, oh. Grâce à toi. J'adore chaque nouveau matin. Ton autre blanc mène dans la mer. Une belle lumière tombe sur notre lit. Est-ce réel ou une fantaisie? Avec toi la vie est une jolie vacance. Au bord de la mer les vagues qui dansent. Sous la terrasse le parfum du sel reste sur nos corps, mémoire éternelle. Le monde est beau, oh, oh. Le monde est beau, oh, oh. Le monde est beau, oh, oh. Grâce à toi. Le monde est beau, oh, oh. Le monde est beau, oh, oh. Le monde est beau, oh, oh. C'est comme un rêve où mes pieds ne touchent jamais le sol. Ton amour me donne des ailes et je m'envole. C'est un tableau couleur pastel, un cadeau qui nous rappelle. Le monde est beau. Si jamais, jamais le ciel sans nuage, je prendrai dans mes mains ton visage. Et mon petit monde s'éclairera juste comme ça. Et le monde est beau, oh, oh, le monde est beau, oh, oh, le monde est beau, oh, oh. Grâce à toi, le monde est beau, oh, oh. Le monde est beau, oh, oh. Le monde est beau, oh, oh. Grâce à toi. Oui, le monde est beau, oh, oh. Grâce à toi. Bienvenue chez moi. C'est un grand plaisir de chanter quelques chansons pour vous ici, dans ma cour, à ma maison, ici à East Vancouver, à Colombie-Britannique. Je suis anglophone. J'ai grandi à Toronto, mais j'habite à Vancouver il y a 12 ans. J'adore la langue française. J'adore la musique française et c'est un grand plaisir pour moi de chanter en français. Il y a presque 12 ans, je suis invitée pour la première fois de donner un spectacle au Festival de jazz à Montréal. Et j'ai tellement hâte de faire mon premier spectacle au Festival de jazz. Mais j'étais très timide parce que j'ai voulu parler en français à mes spectateurs, mais j'ai manqué la confiance. Mais j'ai une amie et elle a suggéré que peut-être je peux traduire une de mes chansons en français pour que je peux chanter avec de confiance en français. Et j'ai trouvé mon courage et je vais faire ça. Et la réponse
de mes spectateurs était incroyable. Il était très, très chaleureux et il a m'encouragé beaucoup de continuer de chanter plus en français. J'ai tombé en amour avec la musique française. J'ai découvert beaucoup d'artistes françaises. Et puis, comme homework, j'ai décidé d'enregistrer mon premier album en français. Une collection de grandes chansons, interprétations de grandes chansons que j'ai découvert pendant mon séjour française. Et cet album, j'ai lancé il y a 8 ans et cet album s'appelle Chanson. Et récemment, j'ai décidé d'enregistrer un autre album en français, mais avec cet album, j'ai décidé d'écrire toutes les chansons. Donc, un album tout original en français. Mais c'est un grand défi pour moi, donc j'ai besoin de beaucoup d'aide. Donc, j'ai demandé à mon amie, auteure-compositrice Maya Davies, si elle voudrait écrire avec moi. Et je suis très chanceuse qu'elle a dit oui. Et cet album, je vais lancer 7 juin. Donc, cet album, entre nous, c'est tout original, sauf qu'une chanson, nous avons décidé de faire une interprétation de cette chanson que j'adore. C'est une chanson par Leonard Cohen. Et cette chanson, c'est très connu en anglais et c'est moins connu en français, la version française. Alors, voici mon interprétation de Suzanne par Leonard Cohen. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle. C'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin. Et quand tu voudrais lui dire tu n'as pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre. Il a vieilli très longtemps du haut d'une tour solitaire. Quand il a compris que seuls des hommes perdu le voyer, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délacé et presque un homme, il a coulé sur votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne, ton
écouter les sirènes. Te prends par la main pour passer une nuit sans fin comme du miel. Le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les algues, il y a des rêves, des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour et qui se penchent comme ça toujours. Et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant, tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés, une blessure étrange dans ton cœur. J'adore les images et la poésie dans cette chanson. C'est très belle. J'ai beaucoup d'influence dans ma musique comme auteure, compositrice. Et je pense que c'est vraiment Edith Piaf qui a m'inspiré de chanter en français. Son esprit et son passion quand elle chante m'inspire beaucoup. Une autre favorite, j'adore Charles Aznavour. Mon inspiration, c'est quelque chose dans l'air, c'est quelque chose. Je sens plus sensuel et plus romantique quand je chante en français et quand j'écoute de la musique française. C'est difficile de m'exprimer, mais c'est quelque chose spécial que je sens quand j'écoute la musique en français. Et ce n'est pas grave si je manque beaucoup de les mots, parce que la chose qui est plus importante, c'est la façon que je sens quand j'écoute la musique en français. Je ne sais pas, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est un grand défi pour moi de m'exprimer en français quand j'écris. Mais avec l'aide de mon collaborateur, Maya Davies, et avec son aide, je rencontre une petite histoire dans cette chanson. C'est une chanson d'amour que je veux dédier à la ville de Montréal. Et cette chanson s'appelle « Les étés de Montréal ». Après mon spectacle à l'Astral, dans un bar plein à Montréal, comment suis-je tombé sur toi? Tu m'as attrapé dans tes bras, et toute la nuit on a dansé, et nos sueurs se sont mélangées. Et toute la nuit on a dansé, et dansé, et dansé, et dansé. Mon amour, où est mon désir? Est-ce juste un souvenir d'un beau soir à Montréal? Les étés de Montréal. Retrouve-moi au bar sur la rue coloniale.
s'est fait trop boire et tomber pour les étés de Montréal. Si je joue à la place des arts, rencontre-moi après au même bar. Tu me reconnaîtras par ma parfum. Je chercherai tes beaux yeux bruns. Et toute la nuit, on va danser avec nos corps entrelacés. Et toute la nuit, on va danser et danser et danser et danser et danser. Où est mon amour? Où est mon désir? Est-ce juste un souvenir d'un beau soir à Montréal? Les étés de Montréal. Retrouve-moi au bar sur la rue coloniale. Laissez faire trop boire et tomber pour les étés de Montréal. Merci beaucoup tout le monde. C'est un plaisir de partager ces chansons avec vous. Et maintenant, à qui le tour? J'ai un petit cœur en laine et tu l'as tricoté avec plein de couleurs, surtout du rouge pour la chaleur, parce qu'ici l'hiver est froid. Et quand tu as terminé, tu as tiré sur le fil pour voir chaque maille disparaître une après l'autre, car dans le sud tu n'as plus froid. Oublie-moi pas, parce que moi je t'oublie pas. C'est pas parce qu'il fait chaud que t'as plus besoin de moi. Oublie-moi pas, oublie-moi surtout pas. Je continue de t'écrire, même si tu réponds pas. Tes aiguilles sont effilées, elles n'ont pas peur de percer. Et avec tous les trous qu'elles ont laissés, crois-tu vraiment que ce sera possible de me rapiécer? J'ai un petit cœur en laine, j'espère qu'il t'a réchauffé. Maintenant qu'il est en boule en dessous du lit, vas-tu revenir le ramasser? Je t'attendrai. Oublie-moi pas, parce que moi je t'oublie pas. C'est pas parce qu'il fait chaud que t'as plus besoin de moi. Oublie-moi pas, oublie-moi surtout pas. Je continue de t'écrire, même si tu réponds pas. Ooh.
Bonjour, mon nom est Sophie Villeneuve et je suis auteure, compositrice, interprète, originaire du Québec mais établie à Whitehorse au Yukon depuis 2013. Alors, je vous présente mon quartier à Riverdale. Alors, on est chez moi présentement sur mon patio extérieur. Puis, on peut voir mon terrain de jeu derrière moi, les montagnes de Grey Mountain qui sont vraiment la raison pour laquelle je suis venue ici. J'aime faire du vélo de montagne, j'aime être dans la nature assez rapidement. Donc, pour moi, c'était un paradis sur terre de venir au Yukon parce que la nature est vraiment présente ici. Et moi, j'écrivais pas mes chansons quand je suis arrivée au Yukon. Quand j'étais au Québec, je faisais plus des covers, puis... au Yukon, quand je suis arrivée, j'ai découvert une communauté artistique super vibrante qui m'ont laissé la chance de monter sur scène pour la première fois. Puis aussi, je pense que le fait de vivre de nouvelles aventures, de rencontrer des nouvelles personnes, de me sortir de ma zone de confort à différents niveaux, que ce soit d'apprendre l'anglais ou d'apprendre des nouveaux sports comme l'escalade, le ski hors piste, le vélo de montagne, toutes ces choses-là ont fait que ça m'a donné vraiment un catalyseur pour l'écriture de chansons. Fait que je pourrais vraiment dire que dans le fond, il y a une Sophie de avant le Yukon puis une Sophie après le Yukon. Donc la prochaine chanson, c'est ça un peu, c'est le concept de fermer un livre pour en ouvrir un autre. Alors voici la fin d'une chose. Ce soir, c'est le dernier d'une ère, d'une époque, la dernière page d'un livre dont les pages sont usées, prêtes à donner, quelqu'un d'autre va l'aimer. La fin d'une chose, le début d'une autre, ça sert à rien de pleurer pour un vieux livre usé. Les aurores, les étoiles, le hibou qui chante, tout ce qui compte c'est maintenant, pas en avant. Lui, du début à la fin, dans le bus, le bain, l'avion, le train. Les chapitres, je les connais par cœur, les comiques, les tragiques, ceux qui brisent le cœur. Je l'ai peut-être lu une fois trop, mais c'est dur à dire, un bon livre, c'est un bon livre. J'hésite à en lire un nouveau, même si tu dis qu'il est bon, même si tu dis qu'il est beau. La fin d'une chose, le début d'une autre, ça sert à rien de pleurer pour un vieux livre usé. Les aurores, les étoiles, le hibou qui chante, tout ce qui compte c'est maintenant, pas en avant. La 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 pas en avant. Quand je suis arrivée au Yukon, je travaillais dans un milieu complètement anglophone. Donc, tout mon réseau d'amis était anglophone. Donc, je n'ai pas été nécessairement en contact avec la communauté francophone dès le début. Et étant une personne introvertie de nature, je n'étais pas nécessairement non plus dans les événements francophones parce que je ne connaissais personne. Donc, ce qui m'a connectée à la communauté francophone yukonaise, c'est vraiment ma musique finalement. Donc, quand j'ai commencé à faire des performances sur scène et commencé à chanter mes chansons en français, c'est là vraiment que j'ai commencé à me faire intercepter à l'épicerie ou en public
pour me faire dire « Hey, j'ai vu ton spectacle, j'aime vraiment tes chansons. » Puis aussi, on me disait que les enfants francophones aimaient mes chansons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas au début, que mes chansons allaient plaire aux enfants. Puis, à un tel point que je me suis fait approcher par l'école Émilie Tremblay pour aller chanter des chansons aux enfants francophones. Ça a été vraiment spectaculaire, en fait, quand je suis arrivée là, puis j'ai commencé à chanter ma chanson « Il est temps de partir » et que tous les enfants se sont mis à chanter en chœur le refrain. C'était vraiment un moment touchant pour moi de réaliser que ma musique les touchait à ce point-là. Puis de penser que je peux être une inspiration pour eux, ça me fait vraiment plaisir. Alors, la prochaine chanson est en fait en lien avec mon introversion. Alors, je la dédicace à tous les introvertis de ce monde. Ça fait 3 jours qu'on est ensemble, 24 heures sur 24, du déjeuner jusqu'au souper. Pas moyen de m'échapper, j'ai pas le temps d'être dans ma tête, pas le temps d'être dans ma tête pour 2 secondes. C'est pas que je t'aime pas. Je comprends pas, tu comprends pas, je suis une introvertie. T'as pas remarqué que ça m'a toujours fait chier les travaux d'équipe, puis qu'après un 5 à 7, j'ai juste le goût d'aller me coucher. Le monde qui parle non-stop en char, ça me donne le mal de tête. Recevoir de la visite chez nous, ça me donne du jus en fou. C'est pas un trouble de personnalité, j'ai pas besoin d'un psy, merci. Je suis une introvertie. Prends-le surtout propre personnel, si je préfère aller prendre une marche avec mes écouteurs. Pour une coupe d'heure, quand je vais revenir, je vais être parlable. Ça me prend juste un petit peu d'espace pour recharger mes batteries d'introvertis. La société est programmée pour nous laisser de côté. On veut du social, des grandes gueules, il faut que ça brille, il faut que ça parle. Si on prenait la peine des fois de nous laisser le micro, on aurait peut-être une coupe d'idées pour faire avancer notre bateau. C'est pas qu'on est tous des weirdos, il est juste différent, notre cerveau. C'est pas qu'on veut pas des amis, parce qu'on est introvertis. Hi-ha! Merci tout le monde. À qui le tour? Personnel, si je préfère aller prendre une marche avec mes écouteurs. Pour une coupe d'heure, quand je vais revenir, je vais être parlable. Ça me prend juste un petit peu d'espace pour recharger mes batteries d'introvertis. La société est programmée pour nous laisser de côté. On veut du social, des grandes gueules, il faut que ça brille, il faut que ça parle. Si on prenait la peine des fois de nous laisser le micro, on aurait peut-être une coupe d'idées pour faire avancer notre bateau. C'est pas qu'on est tous des weirdos, il est juste différent, notre cerveau. C'est pas qu'on veut pas des amis, parce qu'on est introvertis.